Début des années 60, un courant musical, né des bals populaires haïtiens, déferle sur les Antilles françaises et marquera de façon indélébile la vie artistique martiniquaise. Le compas direct, ou compas en créole. Cette musique est ici et maintenant, sur deux ou trois continents différents, mais avec toujours le cœur qui bat en Haïti. Cette musique arrive à vous atteindre, que vous le vouliez ou non. Le compas, c'est ce qui réunit tous les Haïtiens. C'est une musique qui vient de la terre. C'est-à-dire que c'est une musique qui, à la limite, se passe de sono, sur scène, ça sonne tout seul. On est obligé d'aimer le compas. Nous sommes des enfants du compas, nous sommes nés avec le compas. Quand nous jouons, nous avons vraiment de la joie. On chante en anglais, on chante en espagnol, on chante en français, on chante en lingala, on chante en portugais. Le compas est une philosophie. Pour nous, le compas, c'est l'essence d'Haïti. Il est chaud, chérie, j'ai chaud, mes amis, chaleur. Il est chaud. Pour parler du compas, ça remonte quand même au moins à 40 années, n'est-ce pas, de musique. Parler du compas, c'est parler de l'île d'Hispaniola. Il y a la fameuse île d'Hispaniola qui, en fait, est séparée en deux, puisque d'un côté, il y a Haïti, et de l'autre côté, il y a la République dominicaine. Imaginez-vous Haïti dans les années 50. Un pays, somme toute, assez pauvre, avec une dictature, celle de François Duvalier, et où la musique, c'est surtout une musique racine, une musique de campagne, une musique basée en quelque sorte sur le côté africain, spirituel, avec notamment l'implantation du vaudou, qui a une musique bien spécifique. Et puis dans les villes, on développe notre musique avec des instruments un peu plus venus d'Europe. On faisait venir des professeurs spécialisés pour enseigner la musique classique même était enseignée dans les, on ne va pas appeler ça des conservatoires, dans les écoles de musique haïtiennes. Et c'est alors là, à partir de ce moment, qu'Haïti se cherche une musique spécifique. C'est le maestro Nemou Jean-Baptiste, chef d'orchestre formé à l'école de ces fameuses petites écoles de quartier de musique, qui va décider d'emprunter un rythme à côté, à la République dominicaine, le merengue, qu'il va ralentir et qui, petit à petit, va donner le compas. Mais comme toujours en terre créole, quand on ralentit ou quand on accélère, mais en l'occurrence, quand on ralentit une musique, on change l'accent rythmique. Et très, très vite, sur les vieux enregistrements, va apparaître une particularité que les Américains appellent le crash, c'est le fameux tch-tch sur la cymbale. De couleur, ou de blanc, ou acte de couleur, partisans, nous toujours devant. Oui, nous-mêmes, partisans, couleur, ou de blanc, oui, gagner, signification. Et ça va devenir la signature absolue du compas. On aurait peut-être oublié le compas. On ne se serait peut-être même pas rendu compte que le compas existe à un moment dans l'histoire des musiques haïtiennes s'il n'y avait cette petite signature que posent les batteurs sur cette musique qui est le moyen de fixer, de caler la pulsion rythmique et de faire que en deux pas, ou quatre pas selon la vitesse à laquelle on danse, à un moment, là, ça pose exactement là où est le système rythmique. Ça fixe le système rythmique. Après cette vague du compas cérémonial avec des sections, etc., à la vague de ce que l'on appelle les mini-jazz. Les gens ont compris que les mélodies d'introduction pouvaient être faites par un seul instrument. Et voilà, on a abandonné petit à petit les grosses sections de cuivre pour entrer dans la période des mini-jazz. Danse à deux. Il y a aussi un côté charnel. Il peut avoir un petit côté visuel, mais ça reste en tout bien tout honneur, chérie. Tu peux laisser ta femme danser avec ton meilleur ami. Il n'y a pas de problème. Il y a toujours les pères haïtiens. Danser.
entre les lèvres. Oh, mes amis. Mmh. Oh, oh, viens, 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 viens. Ouais, mes amis. Mmh. C'est ça. On ne peut pas vraiment dire qu'il y a un pas de base initial, parce qu'à la base, bon, c'est vrai qu'il a créé la musique. Enfin, souvent, bah, comme dans, ça se fait dans beaucoup de danses et de musique dites populaires, c'est la musique, en, les gens ils viennent danser naturellement, instinctivement, sans avoir écouté en amont, en se disant que bah, quand il va jouer, je vais faire ce pas-là. Donc du coup, la musique leur a plu, ils sont mis sur la piste à danser. Ils dansaient selon la cadence, selon comment ils sentaient, selon la musicalité, ce que ça leur donnait. Et comme dans beaucoup de danse, en fait, le pas de base va se créer dans le temps. Au moment du mini jazz, ça va changer un petit peu, parce que dans la structure musicale, comme on disait, il y avait des sections cuivres, des sections percus, enfin, il y a vraiment tout un tas de structures qui étaient en place. Et comme, entre guillemets, le danseur, quand il danse, il est censé reproduire plus ou moins ce qu'il entend, s'il entend les cuivres, s'il entend des sonorités fortes, des sonorités mélodieuses, donc ça se répercute dans sa danse et dans son corps. Comme on a enlevé une partie de ces sonorités-là, donc automatiquement, sa façon de danser, sa façon de bouger va aussi évoluer, en fonction. C'est l'homme qui avait invité la femme, mais bon, après, il peut y avoir des invitations hommes-femmes, mais aussi voilà, le père avec sa fille, le tonton avec... ça va un peu, un peu partout, un peu tout le monde. Après, du coup, le rôle de la femme n'était pas non plus présent ou défini comme on peut l'avoir aujourd'hui, de nos jours, quand on va danser dans les soirées, danse de couple, etc. Avant, les orchestres jouaient dans des clubs, ok? Et puis, bon, c'est sûr et certain que c'est les gens qui avaient un pouvoir d'achat qui pouvaient aller danser, ok, dans un club. Bon, et ensuite, un jeune qui allait au secondaire, bon, les parents n'acceptent pas que tu ailles dans un club. Mais c'est là qu'on a commencé à faire avec l'arrivée des Schlechle. Ben, d'ailleurs, c'est les Schellbert qui ont commencé. Les Schellbert ont commencé avec les balles de salon. Avec des balles de salon, parce qu'il n'y avait pas de libération sexuelle en Haïti. Bon, c'était là, le seul endroit où on pouvait se frotter à la fille. On pouvait rencontrer une fille, et puis c'est là que ça se passait, tu vois. Ce que Gary raconte, moi je l'ai vécu, le tabou combo de Pétionville a joué chez moi dans le salon de mes parents en 1968 au mois de juillet. J'avais 11 ans, j'étais assis devant Herman, devant la grosse caisse, je regardais Albert à la guitare et puis il chantait Justin Cherry, nous allons danser Tabou Combo de Pétionville. J'aime Justin, elle aussi m'aime bien. Mais... J'aime Justin, elle aussi m'aime bien. Ghislaine est belle, belle comme une orange. J'aime Ghislaine, elle aussi m'aime bien. Ghislaine est douce, douce comme une orange. J'ai vécu tout ça. Moi, j'allais toujours dans tous les bals des difficiles, de Tabou Combo, de Schlechle. C'est là où je faisais beaucoup de déclarations. À chaque fois que je dansais, je fais une déclaration. Et puis, si ça mord, ça mord. Après le bal, doudou. Avec le bouger Baptiste, on va dire que la tété, nous bagaille pâle. Mais avec l'arrivée des mini-jazz, on va dire que la vie nous bagaille nationale. Et c'est lui-même tout qui pourrait influencer tout bon aux générations. Martinique, Guadeloupe, qui pourrait faire que moi-même, plein d'expérience, pam, c'était en 72 ans, laisse ça peut-être des âges de 16-17 ans. Moi, c'était une révolution sociale, économique et musicale que le dégain était fait à l'époque ça. Parce que toute jeunesse Martinique là, toute jeunesse Guadeloupe là, c'était compatriote qui voulait danser. Parce que tout le monde dit, c'est pas musique là seulement qui a un succès, non, mais c'est danser là tout. Parce que forme de danse, c'est qu'on va dire avec la langue française là, c'est lui-même qui était bas succès. Hein. La
la musique s'est exportée sans la danse, sans décodification. Donc du coup, en fait, les gens ont découvert ça, que ce soit en Europe ou dans les Antilles françaises, et ont dansé ça comme eux le ressentaient. Et c'est ce qui peut expliquer les différentes manières de le danser, que ce soit le contexte, l'endroit où on peut le danser, ou alors le fait qu'en effet, il n'y ait pas de codification. C'est arrivé bien plus tard, ça. C'est toute ma jeunesse. C'est d'abord ici, avant que je ne parte faire mes études, c'était l'émergence du compas. Je ne vous dirai pas en quelle année, mais parce que vous allez pouvoir en déduire mon âge. Ensuite, je suis parti à Paris faire mes études. Et alors, c'est une deuxième découverte, parce que quand on se retrouve un peu loin de son environnement, loin de chez soi, loin de sa culture, on cherche des éléments qui vous rattachent à cette culture. Et le compas, à Paris, c'était pour moi, c'était chez moi. Compas, ce n'est pas uniquement une musique, ce n'est pas uniquement une danse, c'est un moment de l'histoire de la culture populaire haïtienne, qui est un moment où il y a une double volonté, qui est une volonté de fête, qui est une volonté de plaisir, qui est une volonté hédoniste, c'est assez classique, hein, c'est une musique de bal, mais en même temps, quelque chose d'englobant, quelque chose d'inclusif. Et ce qui est intéressant avec le compas, c'est que c'est une mode qui touche la jeunesse, mais qui immédiatement touche l'ensemble de la population. D'abord, des passionnés de musique, de bal et de boîte de nuit, plutôt jeunes, qui s'approprient cette nouvelle musique, qui l'acclament, qui sont en première loge, qui sont les premiers à danser le nouveau pas. Mais immédiatement, au-dessus et en dessous, tout le monde est frappé. C'est-à-dire que les adultes, les personnes âgées, les gens qui ne vont pas au bal une fois par semaine, mais qui vont une fois par an, qui vont seulement dans les grandes occasions, les oncles, les tantes et les cousins qui sont là un jour de mariage, tout le monde rentre dans cette nouvelle musique. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est un mouvement lent, général et puissant dans tout Haïti et dans toute la diaspora haïtienne très vite. Mais il faut nous que le développement, ça devine rendre compte que bon génération qui a connecté. Les générations, hein, ces générations d'Agadou, jeunes, jeunesse là. Jeunesse là, c'est donc révolution. Martinique, Guadeloupe, Guyane et l'Antifrance là. C'est donc révolution. Même révolution ça qui fait en Haïti, hein, c'est que c'est pas influencé, non. L'été vient nous voir normal parce que nous tellement connectés musicalement. Par exemple, il y a un meilleur orchestre qui était en fait la tendance jazz. Falfred, par exemple, qui est-ce qui passe sur les Falfred? Marius Coutier. Vous comprenez, nous connaissons, nous songeons. Vous comprenez, ils ont marqué nous. Ça veut dire nous-mêmes, nous avons échangé. Ça veut dire nous faisons vos ébats, nous faisons vos ébats. Les orchestres de compas venaient jouer à Paris pratiquement tous les week-ends. Il y avait Skacha, Frère des gens, Volo Volo, Chleu. Et j'ai commencé la scène à l'âge de 12 ans. Et très rapidement, mon père m'a emmené les week-ends voir les groupes. Et j'étais fasciné. J'étais fasciné par tous ces groupes-là. Et certains même étaient des amis de mes parents. Je me rappelle que les frères des gens dormaient à la maison, ou Skacha. Ils venaient manger à la maison. Ils sont devenus amis. Et j'avais été voir une répétition au cinéma de Cayenne. Et ça m'avait marqué parce qu'ils avaient passé une matinée entière à répéter un break. Mais juste un break. Une matinée entière. Et cette discipline, pour moi aujourd'hui, je me dis, mais voilà pourquoi il y a une différence. C'est qu'ils avaient une vraie discipline et un vrai travail quotidien. Les orchestres haïtiens voyageaient beaucoup et venaient surtout aux Antilles, notamment en Martinique. Et de ce fait, je jouais très souvent avec eux. Les frères des gens, c'est des garçons pour lesquels j'ai beaucoup d'admiration. Et puis, je trouvais que ce qu'ils faisaient était très original. Une trompette, un sax, alto. Et très souvent, on ne savait pas qui jouait la trompette, qui jouait le sax dans les harmonies, tellement c'était bien fait. Il n'y avait rien à redire. Et quand les frères des gens sortaient quelque chose ou bien des harmonies, on n'avait pas... On ne pouvait pas corriger les frères des gens parce que tout était parfait. André des gens, c'est lui le chef d'orchestre et le chef musical des frères des gens.
le trompettiste dessus ou quoi. Il me disait, toi, tu es un haïtien, toi, parce que c'est pas possible que tu penses comme ça, tu penses à la musique autrement que les musiciens antillais. Alors, on a fait tout de suite, ils ont dit oui, et moi, j'étais l'homme le plus heureux du monde. On a été enregistré à plusieurs reprises en Haïti. C'est là que j'ai connu aussi beaucoup de musiciens. Et puis quand ils venaient sur la Martinique, quoi, c'est lié d'amitié et tout ça. Et avec Simon Joël, même, je chantais aussi du compas. Quoi. J'ai vécu 3 ans en Martinique. J'avais beaucoup de sollicitations, par exemple, ou des sessions de studio. Et j'ai fait aussi beaucoup de live, surtout avec Simon Jurade, avec d'autres amis musiciens. On est 2 frères, on était toujours ensemble. Tout ce qu'on voulait faire, on se mettait ensemble pour réussir. Donc, on passait des journées entières à s'entraîner. On essayait de faire quelque chose de différent et pour un petit peu monter le niveau. Parce qu'à l'époque, il y avait seulement le saxophone et les guitares. Donc, nous, on voulait mettre la trompette et le sax devant. Donc, ça a pris du temps, mais quand même, on n'est pas venu à réussir. Cet album-là a eu vraiment un succès éclatant. Le focus était vraiment sur la section de cuivre. Dans un sens, on a atteint notre but. C'est ce qu'on voulait. C'était improvisé, alors comme c'était tellement bien, j'ai appris ça pour pouvoir jouer ce solo en live comme je le dis. Le compas, c'est ma vie. Et c'est tout ce que je peux dire. Il y avait tout un marché, il y avait tout un circuit antillais. Paris, les grands bals de Paris, je passe à la Bastille, au Halles, etc. On a vu par exemple les Loups Noirs à Paris dans un bal avec près de 4000, je dis bien un bal, pas un concert, 4000 personnes, donc c'est énorme. Il y a toujours des circonstances économiques hein, dans un grand succès populaire. Et dans la gloire du compas, il y a le 33 tours. Faut incontestablement se rendre compte du poids du 33 tours. Le 33 tours 30 cm, produit à bon marché pour le marché haïtien, produit tantôt en France, tantôt au Canada, tantôt aux États-Unis, cette production de 33 tours à bon marché, avec des pochettes en couleur 30 cm, c'est beaucoup de la gloire du compas. Parce que dès le départ, les jeunes gens, sans se ruiner, peuvent acheter ces disques, les afficher chez eux, mettre la pochette au mur. Il y a ça parce que le compas correspond, l'explosion du compas correspond à l'explosion du 33 tours à bon marché, des tourne-disques à bon marché et de cette consommation-là. Et que les Haïtiens soient à Boston, à Ottawa, à Paris, à Port-au-Prince, à Pointe-à-Pitre, à Fort-de-France, où qu'ils soient, leur pays, c'est un 33 tours. chaque week-end, mon père allait dans un magasin à Montréal qui s'appelait Disco Mini, je pense qu'il est fermé là. Et de temps en temps, il m'emmenait avec lui. Et il allait chercher les nouveaux albums qui arrivaient de New York, des nouveaux albums de musique. Et il faisait des cassettes, il faisait comme des mixtapes. Mon père faisait des mixtapes et il en faisait pour ses amis et quand il avait les fêtes à la maison, quand il recevait, clac, il avait le mélange de compas, de salsa. Et comme le père d'Anthony Cavana, Jean-Claude Méril, ancien DJ, a aussi cette passion de la musique et du son. Et ce qui nous réunit de temps en temps, c'est qu'on vient ici discuter musique,
toutes les musiques, et donc ce soir, bien sûr, de l'incontournable compas. Le compas, c'est d'abord une histoire avec ça, le 33 tours. Lorsque c'est arrivé, tu as parlé de vinyle, nos parents ne dansaient pas sur électrophone et vinyle, c'était orchestre. Alors c'est ces messieurs qui ont pu apprécier la musique. C'est pour ça que je vous dis, vous pouvez avoir les CD comme ce monsieur, comme tout stagiaire qui débute. Nous sommes mais je reconnais que quand on met ça à côté ça, de ça, ça n'a pas la même gueule. Mais non, on parle de la même chose. Voilà. Okay. Le son est aussi petit. La différence de son est... voilà. Surtout qu'on parle de cela aussi, ça fait partie de nous qui sommes passionnés de la mauvaise qualité des CD qui ont été pressés, réédités par rapport au vinyle. On pourrait en parler pendant des années. Je vous entends parler là. Mais pour moi, excusez-moi monsieur. Mais non, mais c'est royal. Il y a un groupe au-dessus de tous les autres, c'est Magnum. Et donc, je suis d'accord avec toi. Comment tu peux dire que, lorsque tu écoutes un Skacha, un Magnum passe avant un Skacha? Un Magnum passe avant Moi, je l'ai vécu différemment parce que j'étais en Haïti. Je suis haïtienne. Alors, oui, parce que je suis haïtienne. J'ai remarqué que quand vous parlez de vos albums, vous parlez de souvenirs. Et ce qui est important, c'est que ce qui nous lie à la musique, c'est nos expériences avec. Bien sûr. Alors, pour moi, Skacha, Caroline, désolée, mais Caroline, il n'y en a pas deux pour moi. Mais c'est lié à nos expériences. Ma chanson préférée, c'est Caroline, tu vois. Donc, c'est pourquoi quand je chante Caroline, c'est la femme de mon cœur, on pourrait donc dire. Il y a tellement de gens qui ont exécuté Caroline. Au contraire, ça fait plaisir de voir qu'ils ont apprécié sur qu'à choisir pour chanter, c'est qu'ils ont l'apprécié. Pour le musicien, il y a une musique que tu entends et il y a une musique que tu danses. Mais si tu arrives à faire les deux à la fois, c'est encore mieux. Donc c'est pourquoi nous, au Chuchle, Skacha, etc., on essayait toujours de faire un amalgame, pourrait-on dire, avec la chanson en elle-même. Caroline a traversé le temps et j'espère que dans 20 ans, 30 ans encore, si je suis toujours en vie, Yoka dit, ah, mais c'est vous qui avez chanté Caroline, ça a été là jusqu'à la fin des temps. Hein. Wepa, wepa, wepa. Compa, 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 compa. Les succès se croisent et ne se ressemblent pas dans le Hitaratriol. 5 petites places de perdu ce matin pour Croyance et les Skacha d'Haïti. 9 de gagnés pour les Frères des gens et la prière. Numéro 13 ce matin, Frères des gens. Et c'est ici dans le Queens que tout a commencé. C'est ici que la décennie glorieuse du compas, si on peut dire, a débuté entre 1974 et puis le début des années 80, disons allons jusqu'à 1984, où vraiment le compas a révolutionné la musique antillaise en général, beaucoup d'autres musiques avoisinantes, et s'est montré triomphal. Sans tarder, le phénomène a intéressé non seulement les radios, mais des producteurs de disques. Ce qui va séduire aussi aux États-Unis, c'est que c'est une musique d'immigrés, d'immigrés noirs, c'est une musique populaire et c'est une musique show-off. Avant la sape des Africains francophones, il y a eu les vêtements des chauffeurs de taxi haïtiens de Boston et de Denver qui arrivent comme des princes dans les boîtes de nuit. Et leur musique d'excellence, c'est le compas. Mais c'est aussi ça qui va faire que cette musique ne va pas réussir à passer la rampe à un moment. Parce que elle est trop subtile, elle est trop complexe. Un de mes souvenirs, c'est ces 33 tours avec un ou deux titres par face.
c'est ces morceaux qui durent 10-15 minutes, qui sont totalement hypnotiques, dans lesquels il y a ces riffs de cuivre qui sont répétés ad lib interminablement. On croit que c'est la fin du morceau parce qu'ils sont, ils répètent la même phrase 10 fois, 20 fois, 30 fois. Et puis, ça repart, la rythmique repart, il y a un bout de cantique, il y a un bout d'un autre morceau, il y a une citation, et puis ça repart, et puis soudain on découvre que le deuxième couplet arrive au bout de 15 minutes. Je regardais les albums de groupes haïtiens, ils étaient 24, t'as l'impression qu'il y avait tout le quartier, les amis, les potes, sur la photo avec, avec l'uniforme, avec les cuivres. Les haïtiens en Haïti n'avaient pas un pouvoir d'achat pour acheter les disques. C'est surtout à New York, où les gens qui voyageaient achetaient un disque. Et puis, c'est pour ça que c'était écrit en anglais et en français. Bon, déjà au départ, on a eu un problème avec la distribution. Les grands producteurs étaient à New York. Finalement, il n'y a jamais eu un grand producteur de disques à Montréal. Oui. Donc ça a joué énormément aussi dans le fait que New York est devenu le point central du compadre. Les albums ont commencé à se vendre, etc. Donc, il y avait un circuit commercial également en Martinique, très, très, très fort. Donc, les gens n'étaient pas totalement d'accord. Et on a même assisté à des syndicats de musiciens qui se sont créés pour pouvoir interdire l'accès aux orchestres haïtiens. Et moi, j'étais plutôt vexé que ça vienne sur le terrain de cette façon-là. J'aurais préféré, d'ailleurs, on a bien vu que ça n'est pas allé bien loin, j'aurais préféré que l'on écoutât ce qui se passait et que l'on reproduise le meilleur de ce qui se passait à ce moment-là. C'est-à-dire recevoir nos frères de la Caraïbe francophone, de les recevoir pas comme des envahisseurs, mais de les percevoir comme des gens qui apportaient un éclairage nouveau sur la musique caribéenne, quoi. Il faut bien resituer tout ça dans le contexte. C'est beaucoup plus à la fois facile, mais aussi plus compliqué sans doute pour les artistes de se faire connaître aujourd'hui. Parce qu'il y a Internet, la télé, etc. À l'époque, pour passer les frontières, et en particulier les frontières maritimes, et en plus pour franchir les barrières de tout ordre qui pouvaient exister à l'époque, c'était plus compliqué. Il y avait une radio ici, la seule, l'unique, d'ailleurs, à l'époque, qui s'appelait l'ORTF et qui, je dirais, pas péjorativement, nous imposait une certaine musique. Alors, il y avait trois formes de musique, la musique haïtienne, la musique française, mais à 98%, et puis de la salsa. 1974-1975, c'est une date importante puisque c'est le début de la libération des ondes aux Antilles. Bien avant qu'on ait le droit d'émettre depuis le territoire national, on avait eu des expériences dans les îles avoisinantes, alors que la radio officielle française était là pour justement représenter la voix de la France à l'époque. Hein. Donc personnellement, j'ai été l'initiateur du 8 Parade Créole qui s'est appelé le Super Show des 30 Plus Chauds. Et tout ça créait de l'émulation. Et plus on avait des moyens, plus les Haïtiens pouvaient de leur côté trouver un marché pour développer leur production, la perfectionner, faire des enregistrements de meilleure qualité. Tout ça s'est enchaîné. Parce que vous avez remarqué que nous avons fait, en Haïti, le commencement, nous avons fait un enregistrement ou une interview de Robert Sico, de Nemoya Baptiste, et peut-être même de M. Schlechle, Génération Mini-Jazz. C'est parce que exactement, pas de gagner de radio en Haïti pour qu'il y ait une porte ouverte pour les musiciens faire interview. Première fois, les musiciens haïtiens commencent à faire interview tout bon, c'est aux Antilles françaises. Première fois, c'est ça que vous pouvez aider pour les musiciens haïtiens à faire interview, vous pouvez parler français directement, parce que c'était tendance. Parce que pour vous-même, vous connaissez que l'interview, c'est en français, that's it. Mais pourtant, c'est créole qui est la langue officielle de tout le pays. Il y a des bagages que nous apprenons dans le pays. Première fois, moi-même, je me demande un autographe, c'est Martinique. Première fois, je me demande si un autographe, ça veut dire que c'est la première fois que je vois ça. Mais yo, mais yo.
à tous, ravi de vous retrouver. Comme chez Léa, jusqu'à 18h avec toujours un maximum de très bons souvenirs. Et la musique s'écrit avec les classiques de Tabou Kambo et le Collé Collé Band. Très bon après-midi et merci de votre fidélité au programme de Belle Radio. Yo, yo tellement fait confiance. Là nous monter, n'a pas joué. Nous gagne mille confidence. Yo, y'a chanté, y'a dansé. Ça fait nous sentir heureux. Et y'a participé. Vous êtes branchés sur la première radio Compas Radio Sud-Est. Il est 11h passé de 43 minutes. Radio Sud-Est, bonjour. Bonjour Ricardo. Oui, bonjour. C'est pour le B, ça. Oui. Vu le travail que je fais pour la musique haïtienne en Martinique, alors les artistes, il y avait Choubou, il y avait Koubano, les anciens à l'époque. Et pourquoi pas, Ricardo, le travail que tu fournis pour la musique haïtienne, il faut qu'on t'appelle le président du Compas. De ma reconnaissance. N'a pas une révérence, n'a bébé c'est très bas. Nous, avec un pile fierté et plus de maturité, n'a pas un pile effort. J'ai beaucoup de souvenirs d'enfance liés au Compas parce que j'avais des cousins un peu plus âgés que moi qui m'ont fait découvrir tout ce qui était Tabou Kambo, Collé Collé Band, enfin j'en passe et des meilleurs, hein, les Gypsies. Moi je voyais défiler les vinyles, j'en rappelle des photos, j'en rappelle surtout des pantalons pas de def. Et c'était, oui, c'est très marquant. Vous savez, à l'époque, on dansait beaucoup dans les paillotes et vous avez intérêt à avoir une cavalière qui sait danser, qui vous suit dans le Compas, parce que les morceaux de Compas, on est loin des standards actuels. Le Compas a commencé à s'imposer à travers le circuit des balles, des paillotes. Et Michel Nicole, par exemple, il a été un artisan fondamental de l'implantation de cette musique-là en Martinique. Alors ici, on est au Théâtre Psycho, hein, qui était un dancing, c'est un lieu assez mythique de la musique martiniquaise. Je suis attaché à cet endroit. Parce que c'est un lieu qui appartient à mon papa. Mais toute la Martinique venait s'amuser ici. Il y avait Lolo, Makouba, Robert. Et puis, Tapsikoa, c'était un endroit que les gens aimaient. Parce que j'arrivais quand même à gérer ce qu'on appelle, si vous voulez maintenant, pour ne pas avoir du désordre. Il y avait des bandits à ce moment-là. Mais les bandits sont devenus des amis. Donc, tu vois, c'est ça. Et puis, tu avais d'autres lieux. Tu avais le Printanier de Michel Nicole, Michel Sony, je l'appelle. Il était incroyable, ce monsieur-là. Il était exceptionnel. C'était un mec qui aimait les musiciens d'Haïti, il aimait les musiciens de la Martinique, il faisait des combinaisons de tournées. Les gens aimaient les orchestres. Donc il y avait toujours un arrangement pour la culture. Tu vois, tu vois le truc. Donc il y avait un engagement social, culturel, économique, et qui fonctionnait très bien. Ce qu'on rêve aujourd'hui d'avoir, aujourd'hui. Les mecs, ils étaient quand même des avant-gardistes. Comment tu fais venir des musiciens d'Haïti? Et des fois, pendant les périodes de vacances, tu avais 10 groupes d'Haïti qui jouaient avec 30 groupes de la Martinique et ça faisait le marché. Tout à fait. D'autant plus que, à cette époque-là, on était encore sur le raid des Duvaliers. Donc, c'était encore deux fois plus difficile de faire venir les musiciens. Il y avait des contraintes, il fallait les loger, il fallait garder un certain nombre de temps, pas un autre certain nombre de temps. Il fallait qu'ils reviennent avec un certain nombre de sous. Enfin bon, il y avait plein de, et puis, de contraintes. Et puis tu as des musiciens qui restaient. Ouais, exactement. Pignard, Henri. Oui, c'est ça, tu vois. Voilà. J'ai rien compris du tout. Comment très vite, n'est-ce pas? J'ai développé autour de moi une côte d'amour parce que, d'une part, on a aimé mon jeu, on a aimé le travail que je faisais, mais les gens avaient une certaine admiration pour le musicien aveugle que j'étais. Je suis venu jouer ici pour la première fois, en Martinique. Il y a des gens qui portaient des enfants. Hein? Sur leur tête pour leur montrer l'organiste aveugle qui jouait. Quand tu vois arriver avec l'orgue, mais c'est surtout nous, il n'y avait pas de télé, on écoutait la radio. Donc tous les enfants qui voulaient mimer la musique faisaient la sirène. La sirène, tout le monde faisait ça. La sirène. Ce morceau a été créé dans un contexte particulier, en ce sens que, à cette époque, on a rencontré
un petit problème avec un des musiciens qui était malade. Et quand, justement, il est revenu pour fêter déjà son retour, okay, c'est sur ce morceau qu'on s'est défoulé. On a trouvé le résultat tellement intéressant, on a dit, messieurs, il vaut mieux ne pas structurer, il vaut mieux garder le morceau comme ça, mais à partir du moment où les improvisations commencent, il ne faut plus se retenir, il faut franchement jouer, et puis après on verra ce que ça donne. On a attaqué le morceau comme ça, à l'enregistrement, il y avait une certaine joie au studio, eh ben, on a joué comme ça. Et moi, personnellement, je me suis défoulé, effectivement, avec mes nouveaux sons, avec la petite animation que les musiciens faisaient là derrière, pour exprimer leur joie, pour me stimuler, pour me motiver à y aller, aller. Parce que tous les palabres que vous entendez là, c'est pour me dire de continuer, d'aller comme ça, de continuer. Mais on ne pouvait pas le dire ainsi, mais il mettait une animation qui voulait dire que ça va. N'arrête pas, ça va, de continuer, c'est bon. C'est vraiment nostalgique. C'est vraiment nostalgique. Merci de m'avoir fait écouter ça. Créer ce qu'on appelle les jeudis grillades de l'espace Comprise. Donc voilà, donc c'est une ambiance qui se déroule uniquement pendant les vacances, au mois de juillet et août quoi. On va dire qu'on recrée les ambiances payotes qui effectivement qui marchaient très fort. Et là maintenant effectivement, on n'est pas vraiment dans une payote, on est sur un site campagnard et les gens quand ils viennent ici, ils sont chez eux. On a recruté le groupe Jet Live avec Marius Modeste, un saxophoniste, il est très jeune. Bien, je pense à depuis mon plus jeune âge par mes parents. Et avec les vinyles, les anciens, les Jetix, les Skacha, les Magnum Ben, Tabu Combo, tout ça. Et j'ai aimé cette musique-là. Donc j'ai voulu me l'approprier un peu, essayer de me rapprocher un tout petit peu de ce qu'ils font. Je pense qu'il faut quand même garder la couleur parce que le public il se rappelle de toutes les notes. Les chœurs, tout ce qui va dans le morceau. Donc, même si après on rajoute notre petite sauce là-dedans, s'ils viennent voir un groupe jouer, je pense qu'ils s'attendent à réentendre ceux qui ont bercé leur enfance. Quoi. En fait, quand je suis dans ces morceaux-là, quand j'interprète ces morceaux-là, je le vis. Quoi. Le Jetix, là, mm-hmm. Quand nous sommes revenus en Martinique en 76, cet album venait de sortir. Mm-hmm. Mm-hmm. Ça m'a marqué. Je pensais que c'était à l'époque le premier album. Le Jetix, alors ah, c'est le troisième. Oui. L'expression des Jetix. Ah oui. Oui. La qualité, son nom. Là, je pense qu'il y a une c'est bon, oui. Donc, oui. Il n'y a pas d'unanimité, oui. Là, on est d'accord. Non. Incontournable. Là aussi. Incontournable. On est d'accord. Il faut écouter la basse d'Alic. J'ai rencontré mon idole, Alic Jacques, de Collé Collé Bombe. Et quand je l'ai rencontré à New York, la première fois, c'était avec Mario Canon, j'ai presque une vingtaine d'années. J'étais super fier, quoi. Et ce qui était génial, c'est que lui connaissait les albums de Mario et lui était aussi impressionné de me rencontrer. Donc moi, j'ai rencontré mon idole d'enfant et lui était content de me rencontrer aussi. Et on a eu un échange incroyable, quoi. J'ai adoré. I'm
ne pas connaître que peut-être son bagage que bien moi-même que pas connaître. Parce que je joue avec un paquet d'autres musiciens, je joue avec Johnny, je joue avec Robert Martino, je joue avec Claude Massé, je joue avec Jean Arsendor, qu'il se repose en paix, you know, paix à son âme. Je joue avec un paquet d'autres musiciens, je n'ai pas trouvé rien d'extraordinaire dans moi-même, que nous juste clic, you know, l'un comprend l'autre. Right? Je ne comprends pas qu'il y ait aucun bagaille qui est plus important moi-même que l'autre musicien. Nous, just click. Bon? Nous, just click, nous cinq ensemble. You know? Auparavant, que je n'ai pas étudié basse, je ne jouais pas dans les oreilles. Je ne suis pas réellement un contrebassiste, c'est son guitariste que bien. Que je fais partie avec les Difficiles de New York, je joue guitare solo. Et puis, bon. Moune pour moi remercier tout bon, c'est Tony Moïse, maestro des Chuchleux, parce que c'est monsieur qui m'a une chance moi. Et puis mourir pour moi avec eux, et pour une petite expérience moi là, je viens apprendre à jouer compas, Jean compas supposé jouer. Okay? Et puis dans de la étant, nous venons former JEDX. Là, nous venons former JEDX, Roger Jean-Baptiste, Gérard Daniel, Jean Desjean. Nous venons grouper ensemble, nous venons faire orchestre là. Et puis c'est un orchestre. Et nous tous les cinq. Ça me veut dire que nous tous les cinq. Ça veut dire que tout le monde qui est dans l'orchestre, c'est comme si je me disais que l'un entre dans l'autre. Mais désolé, il n'est pas continué, j'ai pas continué. Nous fait bel album, nous fait trois albums, nous faisons premier album qui est gagné en vanité. Et nous faisons deuxième album, Chouap Chouap. Troisième album, Love to Love You Baby. OK? C'était magnifique. Et après album ça, tout bagage est effondré. Oui, mais moi, je mets ça en premier. Je mets ce monsieur-là, Alix Jacques, premier. Et je le mets d'autant plus premier parce que mon troisième choix, c'est le JEDX. J'avais rencontré Robert à Broadway, et puis je jouais sous saxophone. Et puis, je lui ai regardé, je lui ai dit, est-ce que tu peux écrire la musique? Il m'a répondu, bien sûr, c'est OK. J'ai un projet, j'aimerais bien. Que tu participes avec et puis c'était tout. And on this one, we were trying to get another concept of the orchestra, and you know, very different. We had a female vocalist on this one, Evans. Album ça, c'est un album que moi j'ai chita moi composé, ensemble pour composer musique. Et puis après, Robert toujours avec. Nous toujours à discuter et my musical ensemble. Et puis, nous étions tendus en musique Beatles. Eleanor Rigby. J'ai discuté ce projet avec. Nous jouons de compas, mais nous. Nous écoutons la même musique là, de RVR, remember? Oui. Ça me songeait que me dit Robert, moi dit Robert que. Bon, de toute façon, il faut nous mettre violon dans l'album ça. Et puis, il contactait Fred Paul, qui était le producteur, que m'expliquait monsieur qui idée que m'y est. Et puis, monsieur dit, ah! Je bah, ne non. Ah, bah, ça, son bah, qui va le duit pour accepter le bot. Comme c'est ça, on voulait. On va faire la vie. C'est ça, son nom de début, je t'en dis.
Et puis, je me parlais avec Robert, nous rencontrons avec Euphrène Ruiz. C'est lui qui avait fait l'arrangement pour les violons. Et puis c'était... Moi-même, c'est Johnny Franz Toussaint, musicien Skacha. J'ai commencé dans le feu d'abord, c'est Racine. Je devine un compositeur dans Skacha. Ça a pour rapport, ça a rapport avec Martinique, musicien Martinique, comme tu condamné. Monsieur Sao, il était tellement affable, il était tellement impeccable. Je te recevoir nous bien dans la formation sur le feu, nous pas de piano. Mais nous-mêmes, c'était deux guitares. Donc deux guitares là, c'est moi qui t'ai fait guitare accompagnement. Je pense piano. Je pense piano. Donc, c'était cousin moi, Mario Mahala, dans Skacha. Forme de Mario, c'est deux cousins germains, nous levés tout petit ensemble. Donc, quoi, ils ont 2-3 ans plus, moi, j'apprends le guitare en vente, mais je devais rattraper. Mais. Donc, nous jouons ensemble. C'est ça que fait, dans Skacha, je n'ai pas besoin de garder, monsieur pas besoin de garder. Nous connecter. Bon, moi, mais vous en avez en pile. Nous étions à Paris, inspiration, nous avons dans le cinéma avec Tikran, Loubet, inspiration vini, même pas de TTP. Parce que les maps parti, nous avons parti à un petit TTP. Même pas de TTP. Donc, je suis dans le cinéma, je fais 2 heures dans le salle de cinéma, je comprends ma blie. L'homme tourne, main et guitare, même mélodie à vini. That's it. Par exemple, de cantiques catholiques dans des morceaux de combat, ça a un sens. Musicalement, c'est drôle, c'est amusant. En même temps, c'est un pays catholique, d'une profonde foi catholique. Même les gens qui sont dans le vaudou et très impliqués dans le vaudou ont un immense respect pour la foi catholique. Donc, il n'y a pas une seule nuance de désacralisation dans l'usage des cantiques. Mais les cantiques, ça a cet avantage extraordinaire de pouvoir dire « Nous souffrons, nous sommes malheureux, nous n'espérons plus qu'en Dieu. » Et quand on dit, quand on chante au milieu d'un type de compas « Hosanna vient le sauveur au plus haut des cieux », qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire explicitement, c'est le texte. Ça veut dire « Nous n'espérons plus rien de cette terre, nous n'espérons plus rien dans la sphère politique, matérielle, etc. Notre seule espérance, c'est Dieu. » Il y a beaucoup d'antillais pieux proche de la religion qui trouvaient, en fait, c'est blasphème. Ah oui, c'est blasphématoire, parce que c'était... Attention. En fait, ça s'appelle la foi, tout simplement. Voilà. Cela dit, on peut le dire. Parce qu'on ne pouvait pas chanter n'importe quoi au niveau de la religion, quand même. Hein. La religion avait une importance au niveau des Antilles. Ah oui. Alors quand tu commençais à chanter « Je crois en toi, Seigneur, hein, les grandes personnes, ouais, les meilleurs, hein ?» C'est pareil, coupez, hein, coupez ça. Tout à fait. On n'arrivera pas à mettre le doigt là-dessus vraiment, mais réussir à évaluer la part d'évasion que cette musique apparemment futile et niaise et débile a permis à toute une jeunesse haïtienne dans les temps de répression de s'exprimer et de s'évader et de prendre le biais. Dieu sait que à l'époque, de 8e sacrement, rien qu'à penser à l'Évangile selon les Schleuchleux et au Pace Domine, comment ces blasphèmes ont pu passer. Pendant la dictature, les Haïtiens souffrent, mais il y a un certain nombre de choses qu'ils ne peuvent pas dire.
pas uniquement sur la violence des Makoutes, pas uniquement sur la violence politique, pas uniquement sur les inégalités sociales et économiques absolument effroyables de leur pays. La raison pour laquelle le compas est tautologique, c'est que le compas produit une espèce de discours qui dit « Je suis le compas, je vais vous parler du compas » avec un clin d'œil, et tout le monde comprend que je parle du compas parce que je ne peux pas parler d'autre chose. De mots a apporté une grosse contribution dans la consolidation des Duvaliers dans le pays, même inconsciemment, ou consciemment, je ne sais pas. Mais quand même, et cette période aussi où tout s'est focalisé sur Nemours et Sicot dans le pays. Oh ouais. Et pendant que la répression était encore plus féroce aux Andoula, bon, c'est peut-être ça a aidé aux Haïtiens à passer à travers, mais en même temps aussi, ça a zombifié les gens aussi, il faut ouais, le dire. Oui, oui. La génération que j'ai rencontrée de musiciens ne parlait pas de leurs conditions. Je parle de ça, c'est dans les années. Dans les années 80, fin 70-80, et je pense qu'ils ne parlaient pas de ça, par pudeur sans doute, puis parce que le régime était encore en place. Cette force qu'a le peuple haïtien, et puis il y a ça dans le compas. Quand je disais le côté comme un bulldozer, le côté inarrêtable du compas, et on le sent en Haïti, un pays qui est passé au travers tellement d'épreuves, et qui est encore debout, et on sent cette énergie de survie en Haïti. Cette détresse effroyable du peuple haïtien, et raconter en faisant la fête et en dansant. Et c'est ça, la puissance phénoménale des cultures créoles. J'ai eu la chance de jouer avec Timano. Il m'a raconté l'oppression haïtienne, il m'a raconté dans quel cadre il évoluait. C'était très... il n'avait pas peur, mais il se savait en danger. Timano, qui était une star en Haïti, qui était une très grosse star en Haïti. Ben, tu vois. Et c'est un mec qui n'avait pas besoin du Duvalier, ce qu'il pensait, à cette époque-là. Au niveau des textes, c'est sûr qu'à l'époque, dans les années 60, on était très surveillés. C'est-à-dire qu'on parle d'une période de répression et de censure. Claude et moi, on portait un afro. C'est déjà, au niveau vestimentaire, au niveau look, on était limité. Il y avait des rafles des élèves qui sortaient de l'école pour se faire tondre. Moi, j'étais un coiffeur. J'ai enlevé des cheveux au moins à une quinzaine, une vingtaine, parce qu'on ne pouvait pas sortir dans la rue. Si on n'avait pas coupé les cheveux, on était arrêté carrément. Sous Duvalier, c'est ça. La chanson traditionnelle haïtienne a une structure plutôt anecdotique. D'habitude, dans une chanson qui vient du répertoire du terroir ou de Rara, il suffit d'une histoire. Oui. Il suffit d'une phrase et demie. Et puis la musique est faite. Et la musique est faite. Et il ne faut pas croire que c'est le fait de la tradition. Pour ce qui est des textes, moi je me rappelle, quand j'ai commencé à jouer dans la musique jazz, le chanteur c'était pratiquement l'homme à abattre. Tout le monde attendait le guitariste. C'est le solo qui intéressait les gens. Les gens n'écoutaient pas ce que disait le chanteur. Donc. En ce moment, c'est le chanteur, le personnage principal, c'est le chanteur, mais avant, c'était le guitariste, pendant longtemps. Et la vedette d'Adipsy, c'était Robert Martineau. Mais oui, Robert Martineau. C'était pas le chanteur. Moi, quand j'allais écouter Tabou, j'allais écouter Dado Pasquin. Oui. On négligeait un peu les textes à cause de ça. Alors c'est un peu ça.
cette musique a marqué toute une génération. Il y a des gens qui ont été apprennent à jouer de la guitare pour ça. Pour faire ce intro. À l'époque, c'était à l'époque des Beatles, c'était à l'époque de Led Zeppelin. Oui. On n'était pas le seul dans le cas. Ça, c'était important. C'est-à-dire que même dans les groupes rock, c'était le guitariste, la vedette. Mm-hmm. Moi, je ne me rappelle même plus du nom du chanteur Led Zeppelin, mais je me rappelle de Jimmy Page. Jimmy Page. Mais je c'est sûr. De Jimmy Hendrix. C'est ça. Et je me rappelle de Jimmy Hendrix comme chanteur, pas comme guitariste. Mm-hmm. Ben, enfin, comme guitariste. Il n'y a pas comme chanteur. Comme guitariste. Et nous sommes tous dans le même cas, dans toutes mm-hmm. les générations. C'était surtout la guitare. Il y avait une complicité entre les guitares. On se nommait guitare accompagnement, guitare solo, mais en fait, c'était deux guitaristes. Ils sont tous les deux solistes, ils sont tous deux accompagnateurs. C'est une guitare de swing et une guitare avec des arpèges qui, pour moi, sont empreintes de la musique classique et qui sont très techniques, en fait. Sensualité. Ceci dit, avec un peu de réserve, si on n'aime pas les femmes, on ne peut pas jouer. Chez Soif, en Haïti, c'est dans les montagnes, il fait frais. Donc on jouait chaque dimanche là-bas. Alors avant de commencer à jouer, il y avait le type qui faisait le DJ là et on était assis à attendre. Alors j'étais assis à une table tout près de Toto. Et puis Toto parlait à une belle jeune fille. Alors, j'étais un petit peu intéressé pour savoir ce qu'elle disait. À un certain moment, la jeune fille a dit « Toto, Toto, tu es marié ?» Toto lui a dit « Parfois. » Le compas a fait des tas d'heureux, parce que tous les gens, moi, j'ai connu ma femme et avec la musique des gypsies, et je me souviens, ma femme peut jouer ce coup de guitare de Robert. Mauvais zombie. Dans Mauvais zombie, je me suis déclaré et moins bon depuis 40 ans à manger les oreilles. Si je dois noter une préférence sur un musicien compas, moi je vous dirais Robert Martineau. Ce type, je ne sais pas, moi il est né, il est possédé par une guitare ou la guitare est possédée par lui. Il y a quelque chose d'invraisemblable dans la manière, dans le naturel, dans la passion qu'il a avec une guitare. Mais c'était ça avec les gypsies à l'époque, mais c'est qu'il continue à jouer avec les enfants. J'ai trouvé ce type extraordinaire. Il mérite une statue, je pense, pour le compas à New York, à Boston, en Haïti, à Pétionville, partout où le compas et aux Antilles, certainement. Bon, je pense que c'est une bonne idée, parce que ce serait vraiment formidable. Bon, s'ils veulent faire ça, eh bien, mon cher, c'est avec plaisir.
commencé avec le rock and roll. Après, je suis tombé amoureux du compas de M. Nemo Jean-Baptiste et de Rodé Arsico et tout. Ce guitariste-là était vraiment formidable. Bon, j'ai appris d'eux. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai fait une sorte de mélange entre le rock and roll et le compas. Bon, tu peux voir ça sur tous les disques que j'ai réalisés, surtout le Scorpio. J'avais utilisé des sons comme le tube Marf et tout, qui venait de M. Peter Frampton. Et il y avait beaucoup de Santana là-dessus, il y a beaucoup de Led Zeppelin. Alors c'est un mix que j'ai fait avec ça pour réaliser mon style. Le compas va changer de forme, mais la base du compas, même le swing du compas, restera. Et ça, c'est ça qui fait le charme de la chose. J'ai commencé à jouer la guitare à l'âge de 12 ans. C'est un bagage qui est en dedans, moi, qui est même plus fort que moi. Je pense qu'il y a une longue histoire aussi entre moi personnellement, le Magnum et les Antilles. La majorité de ce café, dans la musique, il y a un rapport spirituel. C'est pour ça que le message de temps en temps, nous avons parlé de créateur. Pablier, c'est petit de mettre là. C'est mon seul bagaille, il m'a dit nous. C'est pourquoi elle dit. Souviens la foi, vois ça. Je prends n'importe musique et puis moi mettez lui soit en reggae ou jazz ou bien compas ou bien n'importe quoi. Ça dépend de qui ça m'a cherché, ça me pensait que je me suis trouvé. Close the door. Let me give you what you've been waiting for. Baby, I got so much love to give, and I wanna give it all to you. Close the door. C'est pas réellement seulement une belle voix qui fait le monde chanter. Il y a besoin de musique aussi, pour être capable d'utiliser voix pour le chanter. Donc, moi j'ai dit que, bon, bah, jamais mes voix, pas. C'est pas d'intention, moi. Et puis, voilà, je me mettais voix ça à disposition. Et puis, drôle de coïncidence, si voix ça n'a pas chanté Joie de Lala, Magnum pas là. Ça, là, là. Je pensais que moi, ni en l'eau bagarre que moi, beaucoup fait. Malgré que mon élément légende, il est moins artiste pays, artiste Caraïbe là. C'est vrai, c'est pas menti. Tout fanatique, mais fanatique. Et Martinique, Guadeloupe, tout ça. Il n'y a pas fanatique, mais pour rien, parce que il y a vrai ça qui est passé. Au nom de Magnum, moi-même d'Adou Pasquet, moi dis nous, moi aimer nous. En l'eau. C'est le groupe qui a pris le compas de danse et qui l'a mis sur scène, quoi. Qui a mis le compas sur la grande scène. On joue une musique très énergique. On joue une musique très énergique, la musique du Tabou Combo. On peut l'appeler compas, mais c'est vraiment un compas funk, compas rock, un compas chargé d'énergie. On n'est pas vraiment un groupe de danse comme la majorité des groupes haïtiens le sont. On sommes un groupe de scène. Tabou Combo n'a jamais voulu être un orchestre pour les Haïtiens. Pour nous, on était un orchestre formé d'Haïtiens, mais qui jouait une musique qui pouvait plaire à l'international. L'histoire de Tabou Combo en Martinique, c'est une histoire qui date des années 70. La game pour parler, 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 la game pour parler.
J'ai rencontré quelqu'un de... un grand monsieur, quelqu'un de formidable, quelqu'un pour qui je donnerais même mon sang. Il s'appelle Roger Eugène Choubou, donc le chanteur de Tabou Kombo, Monsieur Choubou. Et ce gars-là, c'est un catalyseur. Voilà, j'avoue qu'il a changé ma vie et ma vision des choses. Premièrement, les tubes de Tabou Kombo, plusieurs tubes parmi lesquels Besseba, Boléro Jouklijou, et alors, etc., etc., ont été composés en Martinique. Je ne sais comment t'expliquer cet amour pour ce pays. Tu sais qui est comme moi? Il y a M. Raph Tamar, il y a M. Jean-Philippe Martelly, il y a M. Éric Virgal. Ces messieurs-là adorent Haïti. Bon, c'est mon droit le plus entier d'aimer aussi la Martinique. Cette chanson, on ne la joue pas aux Antilles. C'est une chanson déjà qui s'appelle Sio. On tape déjà une mélodie pour me capter de dire une musique, justement pour m'expliquer. Tout pensée comme rien en cœur, moi. Ça, c'est ma chanson. On tape déjà une mélodie pour me capter de dire une musique, justement pour m'expliquer. Tout pensée comme rien en cœur, moi. Nous toujours à la prochaine. Que c'est un orchestre teenager, au quitter moi rappeler nous que chaque génération vaut une innovation. Si pas de gain changement, musique antillaise là t'as très bon automne. Comme vous voyez, l'emblème, le logo de Tabou Kombo a changé. C'était Commodores, c'était Earth, Wind & Fire, c'était l'époque, c'était les cuivres. Alors là, il n'y avait pas de cuivre. Là, c'est la transition vers les cuivres. Donc c'était Commodores. Et je me rappelle à cette époque, le manager même de Commodores est venu nous rencontrer pour nous présenter à Motown, en Californie, en tant que groupe haïtien, en tant que jeune groupe. Bon, malheureusement, on n'a pas signé parce qu'on ne chantait pas en anglais, on avait un accent, donc c'était difficile. Mais on a été voir Motown, on a été à Los Angeles, on a rencontré Berry Gordy. Donc voilà l'histoire. Personne du groupe n'a reconnu là où l'on a joué ça. Pour que Carlos Santana reprenne ça. Dany Lebeau, celui qui joue là, il nous a dit, à notre grande surprise, que c'est la première fois qu'il a vu ça. Vous n'êtes pas sans savoir au-delà, jusqu'où va mon amour pour vous autres Martiniquais. Là, chaque moun après les yon bout, Haïti dans la déroute, la misère pape Jean Bout. Tout pays a pour un bon fait, personne pas qu'à refaire. Yo pro, chimel en mer. Et je dois féliciter encore une chanteuse que j'aime énormément, qui a bien chanté cette chanson pour les 30 ans de Tabou Kombo au Zénith, c'est Madame Jocelyne Béroir. Cette période-là, elle est de toute façon gérée, gouvernée par des hommes. Moi, petite fille et adolescente, avant l'arrivée de Kassav qui amène le zouk, je ne connais que des hommes sur scène ou sur album. Les rares fois où j'entends des voix de femmes, c'est soit par le biais de la variété française ou américaine, ou alors parce que certaines chanteuses, comme Gertrude Sénin ou Sylvanis Pépin, ou Léona Gabriel, parce que ma mère chantonnait un peu ses chansons à la maison, font partie de mon écoute, mais ce sont des femmes qui sont dans une ambiance
très traditionnel. On est dans la biguine, dans la mazurka. On est vraiment dans quelque chose qui est très proche de la musique racine, pour reprendre un terme un peu galvaudé, mais c'est un peu ça. L'apparition des femmes, pour moi, dans la musique, femmes avec une expression plus libre, elle arrive avec Jocelyne Berroir, donc dans l'histoire du zouk amenée par Kassav. Au moment où on a commencé à jouer cette musique-là en live, il a fallu synthétiser en instrument réel ce qui se faisait sur les machines. Donc, les Guadeloupéens et Martiniquais ont trouvé, avec les instruments qu'il y avait justement dans le compas, avec la batterie, les congas, cloche, tom basse, en ajoutant en plus le tibois, en tout cas pour les percussions, trouvé le moyen d'interpréter ces musiques-là en live. Et les musiciens qui jouent le zouk respectent le compas, pour ça, pour le son, pour toutes les idées, les idées qu'il y a pu avoir dans ces titres des années de 60 à 70, etc. Donc, en ajoutant comme culture pour la Martinique, la culture la perfecta, en y ajoutant pour la Guadeloupe les aiglons, etc. Et ça a donné en live ce que nous allons vous montrer maintenant. Ça lui est arrivé avec un style bien. Mais souvent, quand j'ai une petite discussion, quand je dois piquer Gage Jacob, je peux lui dire, tu sais, tu as inventé. Mais heureusement qu'il y a un mec qui t'a fait les boîtes à rythme. Le compas a toujours existé. C'est toujours fort, aussi fort qu'avant. Quoi. Il y a eu une concurrence, je veux dire, avec le zouk. Mais pas le déclin du compas. De manière générale, un Guadeloupéen ou un Martiniquais considère le compas comme une espèce de musique gentille, de brave petite musique. Et c'est vrai que la puissance mondiale du zouk a fini de totalement dévaluer le compas dans le regard des Antilles. J'ai des anecdotes. J'ai détesté l'époque KPX, quoi. C'est-à-dire l'époque où avec les appareils à cassette, la fonte là, ou en prenant le taxi collectif, on mettait du compas avec les aigus à fond, les basses à zéro, et ça m'a fait détester cette musique. Mais vraiment, la place du compas dans nos populations, la place du compas dans nos vies, dans notre histoire musicale, c'est un style musical très, 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 très important pour la Martinique. On doit le reconnaître. C'est un style musical important pour différentes catégories de la population. Il y a des seniors, des gens de 50, 60 ans, 70 ans qui sont restés dans ça, qui ont peut-être pour certains subi la période zouk et qui sont finalement heureux de revenir à leur compas classique, c'est comme ça que les Haïtiens disent. Les musiciens haïtiens, la musique haïtienne, ont une grande importance pour beaucoup de gens en Martinique. Peut-être même plus que la musique martiniquaise pour certains, et c'est ça qui est dommage. Il y a une espèce de fierté absolument incroyable des Antillais guyanais qui est pleinement justifié. Ce que ça ne justifie pas, c'est de mépriser le compas. C'est vrai que le compas est une des sources du zouk et d'une certaine manière, le zouk, c'est un compas qui a réussi. Mais si on veut réfléchir de façon plus historique et de façon plus sincère et de façon plus honnête, une des raisons qui fait que le zouk réussit, c'est que c'est une musique d'un pays démocratique. C'est une musique dans laquelle on peut dire ce qu'on veut, dans laquelle il n'y a pas de censure et surtout il n'y a pas de risque pour les musiciens. Ensuite, c'est une musique qui, même si à l'époque le business de la musique en Guadeloupe et en Martinique est encore embryonnaire, encore très amateur, c'est une musique qui fonctionne dans un système dans lequel il y a du droit d'auteur, dans lequel il y a des rétributions des artistes, dans lequel il y a des contrats. Et c'est ça aussi qui va permettre aux artistes du zouk, et d'abord à Kassav, et à ceux qui suivent ensuite derrière, de vivre leur vie de musicien, de la vivre pleinement, dans un état démocratique, dans une liberté économique, dans une liberté d'entreprendre et dans une liberté culturelle qui a toujours manqué au compas. Sous place, c'est ça le médicament, mon nid. Sous place, c'est ça le médicament, mon nid.
Le rythme du zouk, c'est pas vraiment du compas, quoi. C'est mélangé. Et le compas, bon, il y a une façon aussi de composer du compas aussi. Et c'est ce qui n'est pas facile, parce qu'on n'arrive pas à avoir le swing qu'ont les Haïtiens quand ils font leur musique, quoi. Et vice-versa. C'est une belle musique et je prends toujours plaisir à la jouer. D'ailleurs, elle est si belle que maintenant, notre zouk, il est compas également. Et tout ça, ça se mélange. Et c'est très bien, quand on veut donner un peu plus de swing à certaines parties, on rajoute une cloche compas, on fait des choses comme ça. Donc maintenant, les deux sont complètement liés pour le plus grand bonheur des auditeurs et des danseurs. Quand ils ont fait Quack, ils avaient trouvé, pour moi, ils avaient trouvé, je dis ça, la combinaison parfaite entre le zouk et le compas. Ils l'avaient. C'est une symbiose du cadence lipso, du compas, du zouk. Et bien sûr, qui a donné aujourd'hui notre couleur. Mais qu'on le veuille ou non, on l'appelle comme on veut. On l'appelle zouk compas, compas zouk. Ça reste de la musique, ça reste notre rythme caribéen, notre rythme. Ça fait partie de nos gènes. Je me rappelle un jour, ce que je rappelle de toi, mon souvenir de toi, c'était à l'époque où le zouk faisait la pluie et le beau temps. Le zouk avait vraiment mis le compas dans un état vraiment déplorable avec l'arrivée de Kassav et tout ça. Et je me rappelle le matin, samedi matin, j'étais chez moi sur le point de sortir et j'ai reçu un appel de toi. À l'époque, il n'y avait pas de portable, bien sûr, c'était 88. Un appel à la maison, c'est « Allô, Fanfan ?» Oui, c'est Balthazar. « Ah, Balthazar, ça va, tu vas bien ?» C'était tu étais en Martinique à cette époque. Et tu sais, Fanfan, que vous êtes sur le hit parade en Martinique, avec quoi? Et aux Antilles. Aux Antilles était numéro 1 au hit parade en 1988. Et c'est toi qui m'as appris la nouvelle. Alors j'ai tout de suite pris mon téléphone pour appeler les gars. Alors les gars, on est numéro 1 au hit parade. Et quand on n'a pas été au hit parade pendant 5 ans et qu'on y revient, c'est comme si on avait... un nouveau-né, quoi. Je me rappelle qu'on était au Zénith, un festival compas avec des jeunes, Tidio Zeni, et New Look et tout ce monde-là. Et après la prestation de Tabou Combo, j'ai rencontré Tidio Zeni dans les vestiaires. Mais il m'a dit, Fanfan, je ne comprends pas, c'est que j'ai grandi avec New York City. Et à chaque fois que vous jouez ce morceau, on dirait que c'est la première fois que vous le jouez. Je peux dire que je suis né dans la génération Zouk, et la génération Zouk qui a vraiment manqué un grand moment en Haïti. Notamment avec les Éric Vieugal, les Tania Saint-Val, les Quack, les Kassav, etc. Les Jean-Philippe Mantelli. Je peux dire que notre style est une fusion, je peux dire, du zouk et du compas. Et je peux dire traditionnel, le traditionnel compas. Bon, il y a probablement des différences d'interprétation, la manière de jouer, la manière de... Mais n'écoutez pas le compas sur les disques. Allez écouter les groupes jouer. Nous, à notre époque, quand on évoluait, si vous n'étiez pas musicien, vous ne pouviez pas faire la musique. Par exemple, moi, avant, j'étais percussionniste du Tabou Combo. Je me rappelle et avoir pris des leçons de conga. Je me rappelle avoir galéré, travaillé pour pouvoir rentrer dans le studio pour enregistrer un titre. Et tout le monde qui rentrait dans ce studio, il fallait être guitariste, il fallait être chanteur, il fallait être bassiste, percussionniste, batteur pour pouvoir enregistrer.
Mais maintenant, avec l'aide de l'ordinateur, malheureusement, tout le monde fait de la musique. Je ne vais pas être tendre avec le nouveau compas. Le nouveau compas est pour moi est très monotone. Tout comme le nouveau zouk pour moi est très monotone. Je ne retrouve pas l'essence de ce qui m'a fait aimer cette musique-là, c'est-à-dire la richesse harmonique, la richesse des mélodies, le message qui est passé dedans, parce qu'il y a des messages très forts. Et je ne trouve pas une émulsion non plus entre les différents artistes. Chacun fait un peu la même chose, chacun veut un peu tirer son épingle du jeu, chacun veut mettre des lunettes de soleil. Et voilà, je ne m'y retrouve pas. Actuellement, le compas a tendance, d'après moi, à plus évoluer vers, vers le spectacle. Par exemple, lorsqu'on voit jouer Karimi ou Djako, les gens ne dansent plus pratiquement. Les musiciens conçoivent la musique en fonction de ça. Et lorsqu'ils sortent de scène, la foule est en pièce, c'est-à-dire que ça explose. Donc le compas a tendance à évoluer vers ça, parce qu'il y a de plus en plus de festivals. Il y en a à Miami, il y a moins de bases. Lorsque tu joues ce genre de truc, tu n'as qu'une heure. Parfois une demi-heure. Donc il faut tout dire à ce moment-là. En très peu de temps. Donc il s'adapte. Quand Karimi a commencé à jouer, les premières fois, je ne suis pas allé voir Karimi. Parce que ça ne m'intéressait pas de voir un groupe de compas qui joue avec une boîte à rythme, en fait. J'étais parti pour un festival à Saint-Barth avec Bomboulaz. Karimi était là, il jouait après nous. Et ils avaient un problème de percussionniste. Ils m'ont demandé si j'étais capable de faire le point avec eux. J'ai dit, bon, on peut essayer. Et puis depuis ça, si on n'a pas le, comment dire, le contact vraiment avec les Haïtiens, si on ne veut pas s'intégrer réellement là-dedans, c'est compliqué pour un Antillais d'intégrer la musique haïtienne réellement. Compas, et si on peut parler du zouk, c'est deux frères, hein? C'est-à-dire que les similarités sont tellement intenses que franchement, les rites sont pratiquement presque similaires, à quelques différences près. Donc, c'est pour ça que les Martiniquais aiment le compas et puis les Haïtiens aiment le zouk. Donc pour nous, il n'y a pas trop de différence. Moi, bon, c'est que grand pile changement dans le compas parce que longtemps, époque Nemo Jean-Baptiste, Robert Sico, musique latine qu'on joue à l'autre genre. Ce sont des bas salsa, mais après ça, bon, la TV, mais quand il y a là, il a changé, il y a un genre, il y a un volume dans les cymbales, il y a plusieurs rythmes, on a mixé avec zouk, mixé R&B, mixé compas, on voit tout le bagage mélangé, hip-hop, on voit ça, c'est passé ça. Et puis longtemps, toute la musique a été faite plus sous base latin. Ce que nous n'avons pas aux Antilles, le seul conservatoire national est en Guyane et depuis peu. Il n'y a pas d'école de musique aux Antilles, ce sont que des écoles privées. Il n'y a pas de conservatoire national. Donc Haïti aussi, il y a beaucoup de musiciens qui ont émigré vers les États-Unis et donc qui ont eu cette influence-là. Et ils ont su l'exploiter. Le monde doit découvrir ces musiques-là, et ces orchestres-là, et ces musiciens-là, et qui, dans un bassin comme le nôtre, qui avons accueilli toutes les musiques, mais nous n'avons pas la confiance de nous-mêmes, avec nous-mêmes, nous n'avons pas la confiance de nos institutions. Vous comprenez que nous faisons partie d'une génération où il y a déjà des soldats qui sont tombés et épuisés, et que nous, aujourd'hui, nous avons besoin d'une petite souplesse pour pouvoir emmener le truc au cœur du monde. Il n'y a aucun complexe. Nous devons emmener. Moi, c'est la seule chose qui me motive aujourd'hui. La réalité, c'est quoi? C'est un monde de concurrence. Vous savez, moi, je suis un libéral. C'est un monde de concurrence. Peut-être que le fait que le compas ait émergé, peut-être que le fait que les Haïtiens aient montré qu'on pouvait porter la musique à l'extérieur de son pays, a donné un peu plus d'ambition à nos compatriotes. Le succès du compas, parce qu'il a toujours existé, le succès du compas, c'est parce qu'autour d'eux, il existe une véritable industrie.
Il existe une économie de cette musique qui fait que, ben, que c'est, si, si chacun se représente en tant que ce qu'on est, c'est clair que le peuple va consommer ce que tu as. Et c'est ça nos panis. C'est ça nous panis. C'est-à-dire que l'économie de notre musique ne valorise pas nos musiques. Donc, qui m'en est au palais que nous ben, on prend de l'eau. On prend de l'eau. Et tout ce qui va, naître ici prendra de l'eau. Parce qu'il n'y a pas d'économie. On ne croit pas à ce qu'on a. On ne croit pas aux valeurs de ce qu'on a. Je pense que nous manquons d'ambition et que nous ne savons pas avoir le sentiment que nous pouvons être universels. Nous avons tendance à nous replier sur nous-mêmes, à voir tout petit et à toujours justifier de nos propres faiblesses. Donc moi, je pense qu'il faut tout simplement de l'ambition. Et si nous voulons que notre musique, elle explose, il faut que nous ayons l'ambition de la faire exploser. La musique de demain, notre musique de demain, sera celle où nous allons tous nous mélanger. Il ne faut pas oublier que nous sortons tous d'un même continent au final. Donc, ce serait bien que nous arrivions à tous nous rassembler et faire ce que nous savons faire. Et ça va se faire, pour moi, entre les Antillais, donc les Antillais français, les Antillais d'Haïti, la Caraïbe, donc la Guyane, et aussi tout le peuple lusophone, donc ceux qui parlent portugais, en Afrique, le Cap-Vert, etc. Et là, on pourra vraiment dire qu'on a repris quelque chose à nous, et c'est comme ça qu'on évoluera et qu'on nous reconnaîtra. Comme aujourd'hui, c'est dans l'espace Schengen, il n'y a pas vraiment de barrière, mais on sait qu'on passe en Allemagne, on sait qu'on passe en Espagne, on sait qu'on passe... Et ça, il ne faut jamais l'oublier. Donc, je crois que ces petites spécificités nous permettent justement d'avancer et de faire voir à celui de l'extérieur que c'est la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane, Haïti et compagnie. Mais tout le monde a la même musique, là, c'est le même genre, nous chaque le ballon, non. Trop de confusion. Je pense que c'est le moment pour nous dire que on campe dans paquet et prêt, nous appelons les petites là, on va petites là, grain prêt, non, pour nous avancer ensemble. Je pense que ça a commencé à faire, c'est soit un pile album nouveau qu'on a fait dans la maquette américaine, on a changé le rythme, parce qu'on n'a pas fait. On a essayé autant de. Justin Bieber, tout le monde avait bizarre, un pilon Drake, tout le monde est rentré dans le zouk, on est rentré dans le compas, on a fait des bagages. Pendant ce temps, nous-mêmes, nous ne pouvons pas faire des millions avec, mais nous-mêmes, nous avons fait des millions avec ça. Mais ce n'est pas nous liés. Actuellement, la musique zouk compas, ça dans la rue en pile, là, dans toute maquette net en général. La musique, elle est devenue plus caribéenne que martiniquaise, guadeloupéenne, guyanaise ou haïtienne. Elle est de plus en plus caribéenne et je pense que c'est ça qui va créer sa force dans le reste du monde. Et donc, on va peut-être vers une espèce d'émergence d'un vrai talent noir dans le monde, qui soit issu aussi bien du compas que du zouk et que du R&B et de la soul, etc. Il y a peut-être quelque chose qui est en train de se jouer et qu'on observera sur les 10 ou 20 prochaines années. Baby, I'm in love. Oh, 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 oh.
si on aime, on applaudit. Si on n'aime pas, on applaudit quand même.